Alors, donc, j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de jouer un nécromanceur aujourd'hui. Mais je le fais pas en démarrage conventionnel. Je pars sur Master of Flesh, là, comme parmi mes compétences principales. D'ailleurs, qu'il faut que j'active. On va la mettre là-bas. Voilà. Call of Mausoleum. Voilà. Donc là, on va spawn des ghouls à chaque combat et tous les 19 tours après, parce que j'ai mis 2 points dans la capacité. 2 points aussi. Cette fois-ci, je commence pas avec le laser. Je commence avec le sort de glace. Voilà. On va voir, hein, honnêtement. Là, je fais clairement des petits tests. Et bon, bah, ça, le truc pour collecter les âmes. Jusqu'ici, c'est plutôt du classique. Ça, c'est ma goule. Pourquoi elle est apparue, je ne sais pas. Ah oui, non, d'accord, ok. Comme que je fasse un peu attention, là, parce que j'ai l'impression que ça se fait quand même pas tout seul, mon délire. Il y a 3 tours d'attente entre chaque. Je vais crever en fait. Juste. Ah oui, non, mais oui, ok, d'accord, c'est vrai que je me rappelle. J'ai pas beaucoup de vie, mais ma vie a le droit de descendre. M'a bien le droit de descendre, en fait, ça c'est une particularité du nécromanceur. On le voit là. J'ai le droit à aller jusqu'à moins 146 de life. Voilà, je suis à moins 27. Donc j'ai envie de dire ça va. Mes ghouls, par contre, elles sont pas fortes. Ça m'ennuie. Ah, elles sont vraiment pas fortes, les ghouls. J'ai jamais fait un départ aussi galère. Allez, les trolls n'en font qu'une bouchée, hein. Voilà. Bon, ça va. Faut faire juste méga gaffe, quoi, en fait, hein. C'est pas bien glorieux, hein. Je sais pas où je vais aller avec mon délire, moi, mais. Le fait que je puisse pas le spammer, le sort, ça peut être vraiment très très dangereux. On va mettre 2 points en magic et 1 point en constitution. Allez, je passe au niveau 3 là. Je sais pas trop si ça va le faire. Ouais. Ok. Vas-y, on va voir ce qu'elle vaut quand même. C'est pas incroyable. C'est chaud quand même là. Moins 96. Ah là là, c'est tellement hard. Allez, contrôle 1. On va commencer à se soigner. Ça va, je tiens le coup en vrai, hein, mais. Mais lui, il me met quand même des grosses patates. Hein. Des grosses patates pour pas m'avoir spécialement ramené beaucoup en plus.
Ça, les ghouls, elles font pitié, hein. Ah, j'ai pris un peu cher, hein. Ouais, alors le froid sur les squelettes, j'ai passé une bonne idée. Ouh là 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 là. J'ai vraiment fait un build spécial. Allez, on va se mettre un petit anneau. Des résistances. 7% haul, c'est bien quand même. Hein. Voilà, je vais prendre ça. J'ai pas tellement besoin de mental save pour l'instant. La fatigue, il me semble que ça intervient sur les sorts en plus. C'est marrant parce que j'ai des infusions alors que j'ai plutôt un mage. Ah bah alors là, d'accord. Ma pauvre ghoul, elle va se faire dézinguer. Aïe aïe aïe, moins 60! Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, en plus je sais pas comment on fait pour avoir le log. Voilà. Ah, il m'a reflect mes damage. D'accord, ok, j'ai vraiment fait n'importe quoi en fait. Je vais partir. Le temps de me refaire un peu. Putain, il me tire à distance. Est-ce qu'il est toujours en mode reflect? Non, ça avait pas l'air. Ok, la ghoul devrait le distraire. J'ai vraiment aucun souci de mana par contre. Hein. Contrôle 1. Ça passe, level up. Très très chelou le build. Rune of réflexion. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Et je vais remplacer le mana surge. Ensuite, on va réfléchir un petit peu à ça. Ça dépend de Magic. Hein. Il faut combien pour ça? 20. Dexterity. On pourrait en mettre un petit peu. Hein. Et un comme ça aussi, voilà. Je vais garder mes points pour l'instant. J'ai pas de vision concrète encore exactement de ce que je veux faire du perso, donc on va en profiter du fait que ce soit pas encore ultra dur. Quitte à pas aller affronter le troll. Hein. On verra si j'y vais ou pas, mais... Putain, les ours, putain. Oh, la ghoul, elle gagne. Bien. Allez. C'est le gros troll, hein, je crois. Il m'a apporté pas mal d'XP. Ça y est, je vais pouvoir monter ça. Alors, est-ce que ça vaut seulement le coup? Parce que... Ouais, je vais en mettre un petit...
On a aussi ça. Alors, c'est quoi? Une boule de froid. C'est pas mal. C'est pas mal. Petit coup de willpower. Là, on a ça. Ah, très bien. Très bien, très bien. Ok. Je garde les autres points pour plus tard. Bon, bah, super. Il y a moyen que ça ressemble à quelque chose, hein, au bout d'un moment. Allez, ça commence à devenir du blasting à la chaîne, là. Ce qui est bon signe. Pour essayer ça. Très bien. J'ai ça aussi, là. C'est un sustain. Non, c'est un activated. Ah, y a clairement moyen de moyenner là. Par exemple, là, je vais l'activer. Alors, ça coûte des âmes quand même. Hein. Putain, je me suis fait bien stun. Ah, mais c'est trop bien, ça déboîte les. Ça déboîte bien les ennemis par contre. Ça pompe beaucoup d'âmes aussi. Faut faire attention. Alors, attention, il a un bouclier lui. Que je réfléchisse un peu à ce que je peux faire. On va faire un petit 3. C'est fort, hein. C'est vraiment très fort ça. Ça, avec ça, je peux les battre le troll, hein, y a pas de souci. Attends, on peut monter là? Ah, mais merde, du coup, je l'ai pas fait au niveau d'avant ça. Putain, il est tour! Ok, attends, par contre, là, ça va être un peu chaud, je pense. Là, je vais activer mon bouclier. Ensuite, on envoie ça. Ok, ensuite, on envoie ça. On fait les ghouls. Et là, je peux faire ça, donc. Pendant 3 tours, elles seront entourées de forces obscures. Allez, ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Waouh. Wow. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Moins 24. Ça y est, il est mort. Il est mort. Oh là là. Attention, il y en a encore deux autres. Très très bien. Je prends ça, tant pis. On peut trouver mieux. Un deuxième anneau. Une ceinture, j'en avais pas. Ah ouais, faut pas que je la prenne, elle interfère avec la magie. Des chaussures, alors là j'en ai trois sortes. Bon, ça y est, je commence à rouler dessus là. Merde, je suis coincé.
Ah, elles durent pas longtemps les ghouls. Hein. Ils sont forts les trolls quand même. Hein. Alors voilà, donc on va pouvoir tester le build sur ce truc. On commence par un petit 4, un petit 2, un petit 3 et un petit 5. Ça roule. Ça roule et j'ai pris mon niveau. Alors. Je pourrais remettre un point là. Plus un point là qu'un point là d'ailleurs. Ça c'est un très puissant quand même. Je vais mettre un petit point. Et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Mettre des points là, un ici, un là, et le reste avec du magic. Et il y a ça. Alors qu'est-ce que ça dit ça? Oh, très puissant. Je dis oui. Et on va mettre un point ici. Et peut-être un deuxième là. Ah, oh, je sais pas. Je sais pas si j'ai vraiment besoin là. Je vais garder mon point pour l'instant. Allez, c'est parti. Ouais, je crois que c'est l'heure de faire le bouclier. Je sens que là c'est aussi un moment pour le bouclier. Allez, on envoie les ghouls. Elles sont pas ultra fortes, hein. Le Blood of Life. Je prends. Ça monte l'arcane, ça monte aussi mon mana, mais c'est pas très basé sur le crit en fait, le nécromanceur. Je sais pas si ça va trop me plaire. Ceinture. Physical power plus 3, spell save, size category. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Les gants, bah j'ai pas de heavy armor. On va se mettre ça, même si c'est moins bien qu'un chapeau de magicien. Ça me donne de la résistance à la lumière aussi. Bon, après, est-ce que c'est utile tout de suite? Je sais pas. Est-ce que je prendrais pas ça, en fait? Physical save. Je vais prendre ça pour l'instant. Faut vraiment pas que j'oublie tous les sorts que j'ai, hein. Ok, allez, on prend le temps de se recharger. Là, ça va être un peu chaud par contre, parce qu'il y a le gros qui va arriver. Voilà. Je vais garder mes ghouls pour quand ils arriveront sur moi. Hein. Ok, je réfléchis. Parce que là, il y a des tours à attendre quand même. Hein. Profiter peut-être pour reculer. Ok, nos soussailles.
toujours nos Susai. Ça y est, il est là. Attention, je me recule. On y va sur ça, on y va sur ça. On lâche les ghouls. Même si ça risque d'être un peu inefficace. La glace. Pour l'instant, ça va, je me suis pas fait toucher du tout. Hein. Je booste mes morts vivants. J'attends. Je fais passer une ghoul d'abord. Je tape. Toujours pas fait toucher. Je vais refaire passer une ghoul. Ah, c'est déjà fini malheureusement. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je vais déclencher le bouclier. J'attends encore un tour. Ah, j'ai un souci d'arcane, je sais pas quoi là. Anti-magique. Ah là là. J'avais pas vu avant. Là, c'est hardcore, parce que là, je dois attendre 3 tours, là. C'est là où je regrette de ne pas avoir de téléportation. Bon, on va passer les tours, j'ai mon bouclier, hein, normalement, ça devrait aller. Mais il s'est fait tuer par ma petite ghoul, tu vois, comme quoi. C'est ça. Arcane Disrupting Force. Eh ben voilà, je suis obligé de m'enlever ma ceinture. C'est pas... c'est terrible, hein. Des gants. En plus, j'ai des points que j'ai pas fait là. Niveau 8, Magic 28. On va monter un peu le Magic. Un petit point de Consti. Je touche pas pour l'instant, je touche pas. Ça, c'est. C'est de là j'investis hein, par contre. C'est de la survie pure, on y va. Je vais aller faire l'arène. J'ai confiance en mes capacités, mais avant ça, évidemment, je vais checker les magasins. Les musiques de Mageyal sont vraiment bien par contre. Ça, c'est cool. Surtout celles de, des forêts, des villages, trucs comme ça. Dans les tours, les donjons, c'est un peu moins... Mais là clairement, il y a un petit côté... Ah, ça pourrait être dans un village à la Diablo, en fait. Hein. C'est très très bien. Le tome, évidemment, je le garde. Je veux dire, jouer à tome sans garder le tome, ce serait problématique. Chapeau de sorcier, c'est oui. Acide, cold, ouais, pourquoi pas cold. Arcane, lightning. 5%, payer 107 pour 5%, c'est un peu nul hein, quand même. Est-ce que je prendrais pas ça, là? Prendre ça plutôt. Ah, celle-là elle me donnait du consti, mais si je peux éviter la fatigue. Voilà, on va se la jouer mage après tout. Hein. Ne sommes-nous pas un mage? Et là on a une ceinture. Et je vais m'acheter ça. Ah, c'est vraiment pour combler les vides. Hein. Allez, on va faire l'arène. Il a vraiment des problèmes d'opti ce jeu aussi. Hein. Voilà, bon, c'est bon, ça va bien se passer, je pense. Voilà. Ma ghoul s'est fait slain. Il est un peu fort lui, hein. C'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive un peu tôt sur cette arène. Et je crois que c'est jusqu'au niveau 10. Là je suis niveau 7. On lâche les ghouls. Hein. Je voulais le garder pour le dernier mob, mais bon. Elles ont du mal quand même. Hein. Ouais, c'est déjà fini. Ok, il s'est fait one shot. Donc faut vraiment pas oublier de venir la faire cette arène parce que c'est deux generic points là, qui sont gagnés.
Donc ça vaut clairement le coup. Hein. Puis après, voilà, ça c'est un truc très très chiant de Magéial, hein, c'est que si tu le fais trop tard, c'est foutu. Voilà, tu peux dire adieu à tes deux points. C'est pas grave, allez, on va directement là, on va se refaire un peu de maille. Super musique encore celle-là. C'est clairement ce qui manque dans beaucoup de roguelike, hein, des musiques bien quoi. Ils sont résistants ces ours, hein. Je pense qu'ils sont très résistants au froid. Allez, le petit niveau. Alors, ça y est, je peux enfin avoir accès à ça. Ça, c'était pas foufou, hein. Si, ça me donne de 15% de damage, quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Oui, il n'y a pas de raison que je mette pas un point dedans. Ça, c'est Magic 28. Alors... Ah! Ah ouais, là ça me force à prendre que des runes là. Ouais, du coup je suis pas chaud là. Il y a quoi après? Je suis pas chaud parce que j'aime bien mes infusions pour l'instant. Ça peut attendre. Alors on a cette nouvelle capacité aussi. Tout ça là, c'est le sel de Magéial, hein. Vraiment, c'est ici... En fait, c'est ici que le jeu se passe quasiment. C'est dans le choix des skills et dans l'arbre de talent, quoi. Donc, faut bien prendre son temps là pour regarder ce qu'il y a. En vrai, je pourrais mettre un petit coup ici aussi. Hein. Ouais. Et là, on a deux possibilités, ça et ça. Bah, je peux même investir dans les deux, mais faut que je vois si ça vaut le coup. Surtout qu'il faut faire gaffe parce qu'on serait tenté de maxer les trucs. Mais en fait, c'est dégressif. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut bien équilibrer le... Est-ce que je prends plein de techniques, mais du coup, elles sont pas non plus ultra puissantes. Ou est-ce que je max certains trucs, mais si j'en max certains, faut vraiment choisir lesquels parce que... C'est logarithmique, en fait. C'est de moins en moins efficient à mesure qu'on augmente le talent. Allez, ouais. Et ça. Ok, d'accord. Si je fais de la magie là-dedans, ça fait agrandir le radius. Et les dégâts. Il n'y a pas de raison que je le prenne pas non plus. Et puis on va booster mon attaque de base. Ok, donc là on a un boss. Je vais tout de suite faire 0. Ah merde, mais pourquoi je l'ai posé là? Je pensais que ça le faisait sur moi en fait. Je sais plus trop, un truc classique. Ça marche. En même temps, oui, les trucs classiques, c'est ceux qui sont déjà... C'est bon, il est mort? Excellent. Ah, une petite mission d'escorte. Plus ou moins aléatoire à chaque fois, ça. Des fois, t'as de la chance, des fois, t'en as pas. Des fois, tu fais le con aussi, hein, bien sûr. Mais ces missions d'escorte, c'est vraiment un très bon moyen de... Voilà, et bien sûr, là, par exemple, j'ai pas de chance, puisqu'on tombe directement sur un boss. Wow. Je pense que je peux faire mon wild, est-ce que je peux faire ça? Il m'arrive plein de trucs, là, hein. Heureusement, j'ai bouché le passage pour l'autre. On sort les ghouls. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas souhaité faire de ghouls? Ça ne veut pas, parce que je dois avoir plein de bordel, là. C'est pour ça. Il est où notre ami? C'est quoi ça?
Ah, il est là, mais je veux pas du tout. Faut pas que j'inverse ma place avec lui, quoi. Ok, j'ai repris mes esprits. Il est mort. Ok, j'irai chercher la ceinture plus tard. Il faut pas que je le perde de vue, lui. Avant qu'il aille se tuer tout seul dans les monstres. Je fais deux ghouls maintenant. Ah, c'est bon, on arrive. C'est bon. Alors, force, constitution, pourquoi pas? Enfin, force, non, constitution, pourquoi pas? Du coup, je pense que je vais prendre la consti. Nous prenons pas trop la tête. Ok, alors attention, parce que là, c'est un ennemi dangereux. On envoie la sauce. Ah, je peux pas bouger, d'accord. Ok. Allez, ça devrait aller. C'est terminé. Allez, encore une quête de... Ah là, j'ai de la chance par contre, parce que le truc d'arrivée de la mission d'escorte, il est juste là. C'est parfait. Alors, strength et constitution. Ah, on a le même truc que tout à l'heure. On a le même truc que tout à l'heure, donc je vais remettre de la consti. En vrai, je vais commencer à devenir fort en constitution 27, hein. Presque comme Magic. Oh, ça fait du monde là. Qu'à cela ne tienne. Ouais, non, on sort les ghouls quand même. Elles sont pas fortes, hein. Elles sont pas fortes, mais elles me servent de barrière quand même. Ah ouais, là par contre. Là par contre, on arrive au boss de la zone. J'aurais dû faire ça en premier. Là, j'ai mal géré mon ordre de... Mon ordre dans les compétences. Et là, il va falloir attendre un peu, quoi. Il s'est pris quand même pas mal d'explosions, mais ça l'a pas tué, hein. On y est presque. Oh là, la goule, elle fait son boulot. C'est tellement propre. Deuxième boss qu'elle achève, hein. Ok, et j'ai pris un niveau. Frost Dust, tous les types de dégâts qu'il y a dans ce jeu, quoi. Frost Dust Damage to them. And tearing apart their soul. D'accord. On va monter un cran, ça, bien sûr. On va mettre 2 points en magic. At level 5. Ah ouais, il se passe quand même un truc là au niveau 5. Ça peut être très cool ça. Hein.
Ouais, non, je vais attendre de gagner plus de points que ça. Ça fait énormément de dégâts, donc il faut que je puisse quand même l'avoir sous la main. On va mettre un peu de willpower. Et puis on va augmenter ça pour la survie. Là, ce serait froid. J'ai déjà passé le monde du froid, donc bon. Ah, plus 10% cold damage par contre. Allez, c'est oui. Ça, je le garde, je crois, parce que c'est. Je vais la boire d'ailleurs. Je vais la boire tout de suite, ça me donne une vie supplémentaire. Zéro raison de ne pas. De ne pas la boire. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais checker un petit peu mes résistances actuelles. C'est pas trop trop mal, mais on peut faire mieux que ça encore. Hein. Par ces ours qui restent quand même des gros sacs à PV. Ah oui, mais c'est invincible à la glace, ça par contre. Du coup, je vais faire des ghouls, hein. Oh, les bruits de. C'est des bruits de chameaux en fait. Hein. J'ai pas d'autre explication. Waouh. Waouh. Est-ce que je peux faire le contrôle 2? Ouais, ça passe. Ah, je peux pas bouger. Mais je le tue. Donc no pressure. Ah, je vais quand même prendre ça parce qu'il y a le blind fight. Et c'est le niveau 10. Niveau 12 par contre pour avoir ça. Ici niveau 16. Ah, c'est pas pour tout de suite, hein. Ça, je vais pas investir là-dedans. Allez, je monte ça au maximum. Là, j'ai deux class points, je vais monter ça à fond aussi. Voilà, et là j'ai le bonus. Au niveau 5, toutes les 4 ghouls summonées, je gagne le roi des ghouls. Qui va se faire invoquer gratos. Et du coup, elle dure 11 tours en plus. Ouais, c'était pas mal, ça vaut le coup. On va mettre un peu de dex. Pourquoi pas, après tout. Hein. La dex, c'est de l'esquive. Un bon mage se doit d'avoir quand même un minimum d'esquive. Aïe. Attention. C'est un ennemi à peu près un peu plus dangereux que les autres. J'ai pas réussi à annuler ce qu'il m'a fait, ça doit être un truc mental. On se protège. Vois plus rien, ça y est, merci. Alors. Oh, la belle ceinture. Ah oui. Oui, clairement. Et nous arrivons au boss. En fait, il faudrait que je fasse un petit zéro déjà. Ok. Ça. On va se faire une petite muraille de défense goulesque qui n'aura pas servi. Et je prends un niveau. Excellent. Alors. Ah mais j'ai un catégorie point. Ok, bouge pas mon ami. J'ai un catégorie point. On va aller se prendre une nouvelle.
un nouvel arbre. Et ça fait un cimetière carrément, ça fait pousser un cimetière. Enfin, un ossuaire plutôt, enfin, je fais des tas d'ossements quoi. Oh non, ça c'est plus cool quand même. On va prendre ça. Ça se marie bien avec les ghouls, hein. On va monter ça. Et puis bim, 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 voilà. Par contre, le vrai plaisir dans le jeu, c'est de checker tous les objets qu'on a ramassés là. Ça, c'est vraiment bien. Et d'améliorer un peu son build. Là, en fait, c'est trop facile, il me le dit. Donc il me propose d'aller directement au niveau 3 du donjon. Ok. Peut-être. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. On va lâcher les ghouls, hein. On va se faire une petite infusion aussi. Là, cette fois-ci, j'oublie pas d'activer mon talent d'abord. Le talent de race des humains. Et on va envoyer notre boule de glace. Alors attention, derrière cette porte, il y a le boss, parce que toute cette portion du donjon est toujours la même à chaque fois. Donc quand vous arrivez là, c'est que c'est le boss. Ah non, non, si j'avais le talent de jouer en hard. Alors on va se booster. Et tu sais quoi? On va essayer notre nouvelle compétence du cimetière là. Enfin des ossements. Ça pète la classe, j'avoue, c'est cool. On envoie ça. On va envoyer un petit parterre de ghouls, bien sûr, pour profiter des ossements. Tu l'as fini en easy, une partie de 23 heures. Ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est long, hein. The Pit, il est long, hein. Tu dois réfléchir à tout ce que tu fais. Tu dois taper dans les poteaux pour booster tes compétences, là. Il est assez hard, hein, quand même, The Pit, hein. Alors là, je crois qu'il a un truc reflect, donc je vais pas l'attaquer tout de suite. Je vais me contenter de faire un truc lumineux. Et je vais enlever une petite altération d'état, voilà. Voilà, là il a plus son bouclier. On y va. Il fait de la résistance, notre ami, là, quand même, hein. On envoie les explosifs. Et voilà. Et c'est un niveau. Pas n'importe quel niveau, puisque c'est le niveau 12 et je crois que j'attendais un truc. J'attendais ça. Faut 36 en Magic. Voilà, là on a des choses. Excellent. Je vais pas faire mon niveau ici. Je vais me casser d'ici pour avoir une meilleure musique. Pendant que je choisis mes compétences. Je viens là pour la musique, hein. Voilà, on va être bien là. Alors. C'est cool ça aussi, hein. Je vais commencer par ça quand même, faut pas déconner. C'est ultra fort. Ah, c'est un truc de ouf. Ça tue une ghoul, mais c'est pas grave du tout, hein. Franchement. On va mettre un petit point de consti. Et on va attendre pour le reste. Trop tard pour le loup-garou? Non, c'est bon, on peut. Allez, on va le faire maintenant. Par contre, j'ai peur que ce soit trop tard pour le marchand. Je sais jamais quand est-ce que c'est, j'ai oublié. Alors, boum, 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 clac, clac, clac. Allez, on va même faire les ossements. Voilà, hop, rest in peace. Le pauvre n'a rien pu faire. Attention, là, on a quand même un boss.
Enfin, un boss, hein. Ça, c'est un truc à sustain, je vais le mettre là. Ça coûte 42 mana par tour. Attends, je vais l'activer, on va voir. Waouh, qu'est-ce qui vient de se produire là? Attends, je vais mettre mon bouclier quand même, parce que. On la connaît, la chanson de c'est trop facile, puis en fait, on crève. Le sort de soin. Voilà. Oh, le niveau! Ça vient vite, hein. Là, ça va faire un de ces boxons là-bas. Hop. Très bien. Oh, en fait, je me suis énervé pour rien. Là. Attention, parce que là, on a un unique. Ah là là, 10% call. Ah, mais c'est bien. Bah oui, c'est carrément mieux que ce que j'ai. Voilà, ensuite la cape, on fera pas mieux, je pense. Ok, le boss, on commence par ça. On va faire un petit truc comme ça. On met les ossements, on sort les goules. Et on y va avec la glace, voilà. Pouah, le pauvre, il a rien compris. Je suis pas mal en bleu comme ça, là. Hein. On me voit mieux, je trouve. Ah. Ah non, c'est encore le... Ah non, c'est mieux. Voilà, très bien. Ok, alors le niveau. Le niveau, je vais mettre ça. Et je vais mettre un petit coup ici. Ah bah non, j'ai plus de class point. Allez, un peu de dex. Du coup, on va pouvoir passer à la forêt. Et là, on arrive dans les donjons de tier 2. Comment je le sais? Eh bah, c'est pas expliqué dans le jeu. Il faut le savoir en regardant le wiki. Wow. Wow, 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 wow. Franchement, mon perso, il est bien là. C'est cool, hein. Il fait complètement le taf, hein. Wow. Ah bah là, tu peux y aller, ouais. Qu'est-ce que c'est craqué, ce sort? C'est vraiment abusif, hein. Sauf sur les ennemis qui sont résistants à la glace, évidemment. Heureusement, on n'en a pas croisé des trop compliqués pour l'instant. Alors, on va mettre un petit point là-dedans. On va mettre un point ici pour la survie. On va magnifier ces compétences-là. On passe à 30 ici, on passe à 40 ici, ça fait beau gosse. Voilà, no problemo. Attention, quand ça meurt, ça empoisonne. Wow. Non mais attends, je me fais démonter en fait là. Oh, je suis à 207, c'est chaud. Moins 207. Épidémique. Non mais attends, je vais gentiment crever en fait là.
Je vais gentiment crever, hein. Je vais crever. Non. Ah, c'est mon bouclier qui prend. Ah, c'est mon bouclier qui prend l'épidémie. C'est un truc de ouf. Ok, soin. Ok, 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 on est bien. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Abusé. Voilà, alors attention, c'en est un autre celui-là. Donc je vais tout de suite faire ça, le shield. On va mettre ça. On envoie la dose. On lâche les ghouls. On fait le cimetière d'ossements. Le boneyard. Alors ma vie passe dans le négatif parce que je suis un nécromancer et que j'ai ça. En fait, qui me permet de le faire. Ça peut sauver la vie, hein. Je vais le mettre, ça peut vraiment clairement sauver la vie, quoi. Ah, c'est carrément mieux, ouais. Ok. Très 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 bonne musique aussi, celle-là. Oh là là, les dégâts. Ah, j'ai mon roi des ghouls là qui a spawné. C'est cool. Allez, attention, on est reparti. Oh là 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 là. Superbe. Nickel. Ah, je me suis planté d'ennemi. Wow, 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 wow. C'est bon, il est mort, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Franchement, les ghouls, elles commencent vraiment à faire le boulot, hein, les ghouls de base là. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Hey, attends, il y avait une échelle. Stop, on arrête tout. Oh, 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 oh. J'ai dit stop, on arrête tout. Voilà, merci. Il y avait une échelle. Ah, c'était là. Voilà, mais ça n'existait pas avant, ces petits micro-donjons là. C'est censé être quoi, ça? Ok. Oh là là! Il y a du niveau ici. Et ça m'apporte que 18 d'XP, bah putain. Ok, je prends mon niveau. Très bien, niveau 15. Commence à avoir un petit perso sympa, là. On va mettre un point là-dedans. Voilà, j'avais dit que je voulais mettre un point là-dedans, je le fais.
Je sais pas si c'est les dégâts que je lui fais ou si c'est l'XP que je gagne en fait qui est écrit en rose. C'est clairement nouveau tout ça. Hein. Très bonne nouvelle d'ailleurs. Je trouve ça très cool. Ça change rien. On va faire ça, 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 ça. Et ça kill. Il a de la santé, notre bon ami. Hein. Ça n'aura pas suffi. Il y a tous les types de rats possibles et imaginables ici. Hein. Moins 57. Ah là 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 là. Ok, on bloque. The Ratlish. Ouais. Spell power plus 10 quand même. Hein. Très bien, ça fait des undead rats. Ah, c'est chaud. Moins 56, on va faire ça. On va lancer un petit soin. Ah, il m'a bien défoncé, hein. Une mission d'escorte. Une mission d'escorte, donc attention. Enfin, j'arrive pas à savoir où il veut aller encore. Là, l'idée c'est de faire vraiment gaffe, hein. Il va en bas. Il va en bas. Et ensuite. Il va par là. Non. Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive pas à comprendre. C'est bon. Par ici. On va mettre le bouclier de protection. C'est qu'il monte en plus. Oh mon Dieu! Alors là, c'est vraiment pas dit que j'arrive à le sauver. Ah ouais, il y a l'arbre. Ah mon Dieu. Bon. On va summoner des ghouls. On va faire ça.
J'ai toutes mes infusions de dispo, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va faire ça évidemment. Ah, il est mort. Là. Il est mort, il s'est pris les dégâts de froid du. Ouais, là, bah là c'est pas de bol, j'ai rien pu faire, c'est comme ça. Il y avait rien d'autre à faire quoi. On peut pas leur ordonner d'attendre ou quoi. Donc ils avancent tout seuls et bah voilà. Là il est tombé devant le boss, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ça c'est vraiment. Ok, on va se préparer notre petit bouclier là quand même. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je peux summoner des rats. En plus. Il se débrouille pas trop mal parce que je suis sûr que mes sorts de froid lui font pas tellement. J'ai plus de mana. On m'impose de la résistance là. C'est un shield aussi ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Ah, ça lui fait pas grand-chose. Et là j'ai plus de mana, je vais devoir me retirer. Elles sont où mes ghouls? Ah voilà, ça y est. Ah, chaud. Le bouclier de protection, on envoie ça. J'aurais dû mettre mon boost avant. C'est bon, il est mort. Il se prenait quand même des dégâts de froid. Hein. Bon, alors là, attention, parce que ça risque d'être un peu costaud. Ah, ils sont forts. Ça résiste bien là. Je suis trompé de bouton. Non, ça va, en fait ça se gère. Hein. Pas eu de soucis particuliers. Là, on a en plus des saves, du spell power. On perd du. Ah, mais on a de la défense quand même avec. On n'est jamais assez bien défendu. Hein. Là, c'est de l'arcane, là, c'est du light. Ça me fait un peu plaisir ça. Que je vais me servir une petite tisane là, j'en ai besoin. C'est maintenant que je dois être zen. À la reprise. En fait, il y a deux moments vraiment particulièrement clés. C'est la reprise et au bout d'une heure et demie, deux heures de jeu. Surtout dans Tom, parce que dans Tom, énormément de trash mobs sur lesquels on peut rouler sans difficulté et d'un coup, bim, on se fait one shot par un truc qui passe et on l'avait pas vu venir parce qu'on s'était endormi tout simplement. Par la facilité relative de 99,9% des autres monstres. On y est bientôt. Après on va ouvrir les coffres, hein, bien sûr, on va pas se priver de ce plaisir. Ok.
Ça y est. Wow, doucement. Le misclic de l'enfer. Alors. Bah, on va jamais dire non à un peu plus de magic. Hein. On va en mettre 2 points. Et pourquoi pas. On va maintenir un peu à flot le willpower aussi. Hein. Ah oui, non, c'est très très bien ça. Ok. Vendu. Et ça. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est de la protection. On ramasse. Est-ce qu'on va mettre un point là-dedans aussi? Je sais pas. Je vais garder, je vais garder. On a du dégât de froid. Puis c'est pareil, hein. Franchement, faut passer un peu de temps sur le wiki pour aller. Attends, il me file de la vie ce. Save, save power. Bon, il est mieux. Il est mieux. Alors, je crois que là, on a le boss. On va faire un petit contrôle 2. Je pense aussi que par prudence, on va faire un petit contrôle 3. Et on va lâcher les ghouls. Je ne peux pas lâcher les ghouls. Parce que je suis confus. Ok. On va attendre que la confusion s'arrête. Oh là là. Ah oui, je me déplace n'importe comment aussi. Donc ça va pas du tout. On va appeler les ghouls. Voilà. Hop, je me déplace, je me planque. On va faire le graveyard. N'est-ce pas? Ça, on va attaquer aussi, hein. Voilà, bon, il est quasi mort, il n'y a plus de soucis. Et voilà le travail. Par ça, c'est vrai que dans ce jeu, c'est tellement agréable de faire son. De faire son personnage. De réfléchir à comment on va le construire et tout. Il y a des possibilités de build. Ça, c'est vraiment très bien. Elle est forte cette fourmi là quand même. Wow. Je suis à moins 99. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait de la réflexion? J'arrive pas à savoir. Allez, on va se soigner. Contrôle 1. Waouh! Ah, ça y est, elle est morte. Bon, j'ai pas trop compris comment, mais. Et ça, c'est quoi? C'est l'infusion. Saturation, ouais, ok. Ah, ça a pas tant fait de ghoul que ça. Pourquoi je peux pas faire mon. Parce qu'il faut des âmes, j'imagine. Ouais, il faut une âme. Donc je peux pas faire mon. Mon graveyard. Aïe aïe aïe, c'est quoi? C'est le sommeil. Bon, heureusement que j'ai mes ghouls quand même. C'est l'avantage d'être un invocateur, voilà. C'est magnifique. Tu joues quoi sur PoE? Ah ouais, mais j'attends tellement PoE2. Je me suis refait la vidéo il y a pas longtemps là. La vidéo de présentation avec l'arbalétrière là. Ça a l'air trop trop bien. En plus, j'adore les décors qu'ils ont fait là, les espèces de pétras là. C'est tellement stylé. J'ai un problème hein, en termes de sustain au niveau des souls. Il y a des beaux objets quand même. Hein. C'est mon côté roguelike. Alors. Ok, ça lui a rien fait, genre.
Aïe 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 aïe. Lui, il me met mal. Je sais pas ce qu'il a comme un truc, on dirait qu'il... Je sais pas ce qu'il a d'activé sur lui là. Born into Magic, Adrénaline, Pay Suppression. Je sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que ça a pas l'air de lui faire grand-chose, mes sorts. C'est quoi ça? Torture Souls. Ah mais j'en ai pas des Souls, c'est ça le problème. Voilà, je sais pas ce qu'il fait mais il me met mal hein, celui-là. Bon, moi je suis un peu embêté là, il me fait peur. J'aimerais bien qu'il y ait une goule qui descende là quand même. J'aimerais qu'elle descende. Il est super chaud lui, hein. Je pense que ça va finir par le faire, mais le problème, mais après, c'est là que je peux plus cast les ghouls après. Hein. Ça fait flipper. Aïe, aïe, aïe. Mais je sais pas ce qu'il fait, il a du Reflect Magic, je crois, ce mec. Hein. Je vois pas autrement. Hein. Allez, contrôle 1. Le 5, ça fait quoi déjà? Ah oui, très bien, ça fait exploser les ghouls. Wow. Ok, bon, au moins ça l'a vraiment endommagé. Et moi je suis à moins 24, attention. Moins 28, ça va. Dans un tour, je pourrais peut-être refaire les ghouls, mais j'ai peur que ça me coûte des âmes. Je vais faire mon bouclier. Oui, bah, de toute façon, en plus, c'est pas spécialement lisible. C'est un peu le problème des roguelikes aussi, hein. C'est pour ça que je commande beaucoup mes actions. Parce que bah, moi je sais ce que je fais, mais vous à l'écran, vous voyez pas forcément le cheminement et la réflexion dans les actions que j'ai faites, parce qu'il n'y a aucune animation, enfin c'est très léger quoi. Donc non, non, n'hésite pas à poser des questions, bien sûr. Bon, il me reste plus qu'une goule. Je vais me déplacer ici. Attends, est-ce que je peux tirer avec ça? Command staff. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Ça sert à rien, j'ai l'impression, ça en plus. Bon, bah, ça y est, il est mort. C'est ma goule l'a tué. Ma dernière goule. Mais là, je pense qu'on va y aller. Ok. Les goules. On cherche pas à comprendre. Et puis pour, tant qu'à faire, on va faire le 5. Hein, que ça lui mette vraiment des gros dégâts. Voilà, ça y est, il est mort. Ça doit faire du DPS, hein, je pense ça. Ça y est, c'est fini? Maximum life plus 48. On aime. Allez, je prends. Ensuite, la cape, défense, dex, mage. Plus 7 cunes, waouh. Bah j'aime bien parce qu'en fait l'autre elle avait une stat, pas mal de stats dont je me foutais. Et là attention, on a une robe orange. Une robe orange, qu'est-ce qu'on en fait? Force, plus 13 magie, plus 12 will. Non, mais je crois qu'on a trouvé un candidat. Effectivement, là j'ai des dégâts de froid, mais bon, faut pas déconner là. Plus 13 de magie. Ouais, non, mais en plus, là c'est pareil. Non, mais c'est bon. Non, il n'y a pas photo. Ça va m'accompagner pendant toute mon aventure, je pense. Hein. On nous fera une grosse partie en tout cas. On va monter ça. On va monter la constitution et un peu de dextérité parce que j'ai pris un énorme boost en magic. Donc je suis largement en avance là. Ça, je vais les garder pour plus tard. Et on va aller dans un des niveaux les plus angoissants du jeu, notamment quand on ne connaît pas.
La tanière des vers. Wow, oh non, j'ai eu la. Oh, en plus, j'ai eu la pire version. Oh! Parce qu'il y a deux versions de ça. Et là, c'est la version relou. Voilà, donc là, il va falloir suivre ces deux vers là. Dans un. Qui vont creuser un tunnel. Et surtout, il faut pas les lâcher. Hein. Il faut pas les lâcher parce que après les murs se referment en fait derrière nous. Bon, je pense que ça va aller. Hein. Un niveau qui est assez cool celui-là, même si les premières fois qu'on y va on n'est pas à l'aise. Hein. Et encore, là c'est la version chiante, mais je me demande si elle est pas quand même un peu plus safe. Donc tu vois là par exemple j'hésite clairement à ouvrir le coffre quoi. Ah, j'ai fait l'aventurier là, je suis allé chercher les pièces. Alors, bon, ça va se corser là, on a un gros ennemi. Oh, ça va, il est pas fort. Oh là là, pas de soucis, je suis overpowered. Donc toute la difficulté dans ce niveau-là, c'est que on peut pas trop s'arrêter pour se reposer, pour remonter sa vie, parce que derrière ça se referme là-bas. Donc il faut toujours suivre les vers. En plus, il se peut qu'ils prennent d'autres directions, même si je crois qu'ils vont que tout droit ceux-là. Ouais, c'est plutôt cool comme concept, mais c'est angoissant parce que si on se retrouve prisonnier dans les murs qui se referment, c'est terminé. Les vers sont invulnérables. Oh non, ouais, ils font leur vie. Ils sont au-dessus de tout ça, tu vois. C'est des. Ils sont invulnérables à tout en fait. Hein. Et heureusement, parce que sinon t'imagines la galère. Heureusement. Alors, disons que c'est plus notre moyen de transport, on va dire là. Dans cette zone. C'est vert. Sympa les petits gars de poison. Là. Alors voilà, en plus on a ça là. Oh, il se fait one shot, c'est pas de soucis.
Bon, il serait temps que ça s'arrête là. Il serait temps que ça s'arrête, s'il vous plaît. Et non, ça y est pas. Ah voilà. OK. Alors ça c'est la version normale. Bon, je vais déjà ouvrir ce truc. Dans le doute je vais faire ça. On va faire les ghouls. Et voilà, bon c'est bon, c'était pas très dangereux. Et là faut vraiment les suivre. Et ils font des petits passages. Il faut faire attention parce que ça se referme vraiment vite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de mana. Pourquoi je peux pas faire ça? Ça coûte pas de souls. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon mana il est bloqué? Ok. Ah parce que alors là si j'ai plus de mana, moi je suis fini. Hein. Je vais faire les ghouls mais. Wow, ah putain, c'est le boss. Ouais, c'est le boss. Mais c'est le boss, mais j'ai plus de mana. Qu'est-ce que c'est que ce trip? Ah, bah là, ça va pas aller, hein, les gars. Je sais pas ce qui se passe à mon mana là. Je crois que je me suis pas reposé en fait aussi. Bon c'est bon, mes ghouls s'en sont chargés. On en est là. Voilà, j'ai récupéré le cœur de la reine là. Donc je peux décider de le manger. Et voilà, et là c'est là je sais plus, tu vois. Et bien sûr le jeu ne te le dit pas. Hein. Je crois que ça te. Si je le consomme, ça me donne une, des nouveaux trucs à dépenser là. Mais c'est des trucs en lien avec la nature, il me semble. Je crois que ça. Ouais, ça me donne une nouvelle branche de je sais pas quoi. Ouais, ou alors on peut le corrompre je sais pas où. Voilà, c'est ça l'idée. Bref, nous n'avons que trop traîné ici. Ah bah les ghouls, elles ont été élevées avec du... avec du bon grain rigoureusement sélectionné. Hein. Ah, attends, attends, j'avais pris un niveau aussi. On va mettre du Willpo. Oh, je pense qu'on va se fendre d'un petit point là quand même. Spell save. Oui, bah oui, on va pas dire non au spell save. Ah, ça me génère des souls.
Ah, c'est pas du tout de la merde, hein, ça. Je prends. Bon, là, faudra faire attention ici, parce qu'on a des espèces de géants qui balancent des cailloux. Et pour les mages, c'est vraiment pas l'idéal. Bon, alors lui, il a complètement full résist glace. Je suis obligé de passer par mes ghouls. Voilà, les fameux géants. Ok, je peux les tuer, mais faudrait pas qu'il y en ait trop d'un coup. Ah, là, il y a un super géant. Ok. Ça va, tout se passe bien. Jusqu'à ce que je me fasse one shot, hein, bien sûr. Ok. Oh là là là, ça fait du dégât. Tu vois, s'il y en a deux ou trois d'un coup qui me balancent leur rocher en même temps, ça peut très vite mal se mettre. Hein. Ah, des nouvelles bottes peut-être, mais je crois que c'est des bottes lourdes. Ah oui, alors j'avais oublié, il y a aussi les géants qui lancent des éclairs aussi. Ça c'est un peu une calamité également. Et il est pas mort encore, mais c'est ma goule qui le tue. Ah, une quête d'escorte. Ça, on aurait pu s'en passer. Après, ça apporte un petit challenge assez cool quand même. Voilà, faut pas le rater. Hein. Alors la quête d'escorte dans ce niveau, elle est chiante. Hein. J'espère que ce sera pas trop loin. Oh là 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 là, il y a des géants. Si des fois ils font des attaques de zone, tu vois. Ah, je sais pas où elle est partie. Hein. Oh! J'ai aucune idée d'où elle est. Elle est là. En fait, c'est une quête d'escorte, mais elle avance toute seule jusqu'à un point précis de la map. Et toi, en fait, c'est même pas que tu l'escortes, c'est que tu la surveilles, en fait. Pour pas qu'elle se fasse tuer sur le chemin. Mais elle t'attend pas. Hein. Alors. Est-ce que tu sais seulement où tu vas? Ok. Oh là là, oh là là. Ça commence à faire du people là. Ça c'est fait. On va envoyer les ghouls. On va être prudent. Et on va faire le 5. On va être sauvage. En vrai, il n'y a même pas de raison que je fasse pas mon graveyard. Hein. C'est même pas graveyard, c'est boneyard. Bah, je vais le faire. Voilà, peu importe le nom. Ouais, ça déboîte tout quand même, ça. Hein. Et on perd pas de temps, on reste à côté de la...
de la personne à escorter. Là, j'ai pas eu de bol, en plus c'est vraiment à l'autre bout du monde. Ah ça y est, on arrive. Je vois le point rose. Allez, on laisse les ghouls travailler, hein, elles sont là pour ça. Ah, c'est un dragon de froid, bien sûr. Allez, les ghouls de la prudence. Ah, le problème de mes attaques de froid, c'est que si je tombe sur des ennemis de froid, bah ça marche plus. Allez, vas-y. Ça y est. Alors là, j'ai le droit de choisir. Ça, c'est pas mal. Ça fait envie, je vais la prendre. Prémonition. Ça le fait tout seul ? Il est là. On va le mettre dans les trucs à sustain. Hop. Ça va, j'en ai plein du mana, y a pas de soucis. Hein. On va pas se priver d'un petit set. Hein. Parce que du coup, les techniques, je les appelle par leur numéro. Vu que je me... voilà. Impending Doom, ça s'appelle. Et on va pas se priver non plus d'un petit 9. Le Boneyard. Faut savoir se faire plaisir. Quand on a des ressources, on les utilise. Bon, alors il y a ça aussi. Je crois que ça fait sortir des monstres, voilà. Mais pas de soucis. Par prudence, on va faire CTRL 3 immédiatement. On lâche les boules. On descend. On lâche le Boneyard. On fait le 5. Voilà, le protocole est lancé. Et là, on va pouvoir claquer le 4. Ça y est, ils sont tous morts là, non? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous morts. Ah ouais, alors ça c'est des dragons de glace, j'imagine. 100% cold. Et bien voici ma réponse. 100% ghoul. Et on va faire même un petit boost avec du Boneyard. On va être bien. On va être bien. Ah. Ouais, non, là c'est pas top. Ils sont forts les dragons là, en plus. Oh là là. C'est pas grave, j'ai des ghouls qui sortent tous les 5 tours, je crois. C'est un truc du genre. Voilà, alors c'est exactement le genre de Monster Zoo que, que je voulais pas voir, tu vois. Là, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose là. On va bien sûr faire le bouclier. J'ai même pas la place pour correctement lâcher les ghouls. Je pense que je vais déjà taper un 4 là. Voilà, là ça a fait de la place pour mes ghouls. Par contre, je vais faire ça parce que. Ouais, allez, Boneyard. Le 5, ça y est, je suis à moins 37. On lâche le contrôle 1. Même si ce sera pas foufou non plus. Ça a fait le travail quand même. Hein. On va aller se planquer. On va laisser les ghouls faire le sale boulot. Ah ouais, là il y a une espèce de super viking. Je crois qu'ils sont un peu plus vénères ceux-là. Là. C'est les chieftains. Casque à cornes, généralement, c'est pas très bon signe. On va relâcher le bouclier, puisqu'il est à nouveau dispo. Voilà. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Ah non, on a un petit réminiscent. Hop, un petit succès. Ouais, je les prends à la main, ça me fait plaisir. Wow, wow, c'est quoi ce truc? Peut-être le boss du coin, mais normalement c'est pas censé être un dragon.
Niveau 20. Mais attention, c'était pas la mort du boss. Il est encore vivant. Hein. On va faire le 0 aussi. Hein. Ça fait des dégâts de light, je crois, ce truc. Ok, c'est une nouvelle quête ce truc ou quoi? Là tu vois il y a beaucoup de géants, on va lancer le bouclier. Oh, je pense qu'on va mettre la totale là. On va mettre les ghouls, on va mettre le boneyard, on va mettre le 5, c'est-à-dire l'explosion des corps. Wow! Ok. Le soin. Je vais relancer un petit 4, hein, bien sûr. C'est-à-dire l'explosion de glace. Voilà. Et on s'en est sorti. Franchement, les ghouls, elles sont tellement stuff. Elles font tellement le boulot. Ah bah là, il va m'en falloir en plus, parce que ça, c'est des trucs qui résistent à la glace. Du coup, 5, 9, voilà. Encore. Ah, j'ai plus d'âme. Merde. Bon, ça va, ça fait le boulot. On va aller aux Halfling Ruins. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Ah merde, c'est un ennemi, putain, je suis... Ok. Ouais, y a du petit niveau ici, il faudra faire un peu attention. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a un arc. Non, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, en tout cas, c'est une histoire ancienne. Alors là, il n'y a pas beaucoup de packs de monstres, c'est un peu chiant parce que. C'est vrai que mes sorts ils peuvent pas trop se spammer. C'est un peu l'inconvénient de mon perso là. Waouh. Waouh. Ah putain, il est venu se coller à moi. Il est pas fou.
Le bouclier. Le boneyard, c'est réglé. J'ai juste à patienter. Les ghouls font tout le travail. C'est super. Waouh. Contrôle 3, contrôle 1. Contrôle 3 pour le bouclier. Contrôle 1 pour la régène de life. Dresseur de ghouls, un métier oublié. Et pourtant un métier qui revient à la mode. Ça deviendrait presque tendance dans... chez certains initiés. Bah là, on va faire sortir le grand jeu. Je me bats contre des ghouls ennemis aussi. Ah, ça me fait mal à mon petit cœur. Hein. Parce que les ghouls, au début, ça a l'air un peu effrayant, tout ça, mais quand on a appris à les aimer. Bah après, voilà. On est gaga, on fond. C'est tellement craquant. Bon, là, on va avoir un suprême squelette, je le sens. Je me prépare en mettant le bouclier. J'appuie sur 1 pour me booster ma capacité de race. Et on envoie un petit 4, un petit 3, un petit 2, le 9 et le 5. Et normalement, il n'y a plus qu'à attendre de la regarder crever. Voilà. C'est bien rodé, hein. Alors, est-ce que ma tisane est encore chaude? J'y crois pas trop, hein. Et la réponse est non. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je me barre tout seul comme un con parce que... Normalement on dit pas ça pour une tisane quoi, ça vaut pas le coup. Hop. Bah allez, hein, bien sûr. Bien sûr. J'ai pris mon niveau. J'avais déjà pris un niveau tout à l'heure en plus, hein, que j'ai pas fait. Donc ça va être la régalade. Alors lui il m'inquiète parce que il a pas vraiment été touché, hein. Ah ça y est quand même. Ok, il est mort. C'est chaud un peu là. Je me fais coller, hein. Et allez, c'est réglé. Et bim. Étage suivant. Boum, 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 boum. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. C'est des Unseen Aurores. Ah non, c'est des hallucinations. Mais c'est des aurores quand même. On va faire le graveyard. Ouais, ça va. Ah, mais il y a lui, là. C'est peut-être lui qui les fait, les hallucinations, d'ailleurs. Il n'est plus qu'un lointain souvenir. Ah. Lui, quand tu le sauves, tu débloques un perso. Mais
Là, je le sauverai pas. De toute façon, je crois que je l'ai déjà fait, hein, donc y a pas de souci. Ah bah si, ça a peut-être marché. Voilà. Mais je l'avais déjà fait, je crois. Je crois qu'il faut le faire quand tu... Quand tu contrôles un certain perso et il faut le faire avant tel niveau ou je sais pas trop quoi. Alors, bim bim, bim bim. Déjà c'est d'office, un petit point là-dedans histoire de dire. Et pourquoi pas un point de dextérité pour avoir de l'esquive. Non, en fait ça me donne de la défense, mais je crois que la défense c'est de l'esquive dans ce jeu, il me semble. Il y a plusieurs niveaux de défense. Il y a de l'armure, il y a la défense, qui je crois est l'esquive. Et après il y a les saves, les physical saves, les mental saves. C'est très compliqué d'ailleurs, je trouve, pour pas grand chose, ce système là. Et j'ai un point de catégorie, ça c'est vraiment cool. On va débloquer une catégorie, je pense. On va aller se faire un peu plaisir. Ah c'est pareil, ça je suis pas trop... Je pense qu'on va apprendre Master Necromancer. Hein. Du coup, on va mettre un point là. Your Mastery... Donc en gros... tous mes minions qui sont dans la zone vont avoir plus de résistance. Et quand on fait un nouveau minion, il prend tout le spell power. Voilà. Bon bref, ils sont boostés, hein, on va dire ça. Et ensuite... All minions insane. Ouais, ça... Je vais le mettre pour passer à la suite. Alors ça, c'est une compétence à activer. Hein. Mettre des points là. Hein. Ça, c'est bien. Voilà. J'ai 4 generic points. Je vais en mettre un là et un là, je pense. Et le reste, on va laisser pour quand j'aurai ça. Bon, on est bien là. On est bien, bien. Et en plus, je suis bientôt au niveau 22. Et maintenant, la grande question, où est-ce qu'on va? On va aller tester le ruinette donjon, mais je le sens moyen. De toute façon, on voit hein, si c'est trop sale, je m'en vais. Hein. Ah ouais, je crois savoir ce que c'est. Je pense que ça va être un peu sale. Il est où? Ouais. Ça c'est un truc sustain. Hein. On va le mettre là. Hop. Je vais mettre mon bouclier et faire ça par prudence. Je me demande si c'est pas un peu tôt pour ce donjon là, tu vois. Ah puis c'est encore cette musique. Pas une occasion de se leveler. Ah, je vais mettre tout dans le willpower. Et j'ai toujours pas niveau 24, donc ça c'est toujours pas accessible. Est-ce qu'on mettrait pas un petit point dans une attaque de base hein? Allez. Bien sûr, j'accepte. On va tester tout de suite l'efficacité. Ça l'a presque tué. Wow. Il y a un suprême voleur là. Je suis pas encore endommagé, mais on va prévenir ça en faisant les ghouls. Oh, c'est bon. Il y a du monstre non habituel là quand même. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait siphonner mon mana, j'ai l'impression.
Il est mort, il est mort. Mais il n'y a que des monstres d'élite là. Hein. Alors le géant d'élite, je vais tout de suite faire mon bouclier parce que ça fait peur. Et on y va pour un 4, 2. Ok, et ça c'est quoi? Miasme. Est-ce que ça s'enlève avec le contrôle 2, ça, qui enlève une altération d'état? Oui. Très bien. Les ghouls. Bien sûr. Le 5 pour les explosions. Le 9 pour les boosts général. Ok, alors après. C'est que des monstres vénères en fait là. Bah, c'est bien, ça va me faire leveler. Puis il va y avoir un peu du défi. Parce qu'on va pas se mentir là, sur les derniers moments, sur les derniers étages, c'était pas la folie quoi. Généralement c'est là que tu te fais one shot, tu vois. C'est quand tu dis ce genre de truc que tu te fais one shot. Qu'est-ce que c'était que ça? Attends, je suis en train de me prendre des choses là. 3, 2, 1. Ok, c'est lui. Les ghouls pour le distraire. Ça, ça, le 5, le 9. Et voilà. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? C'est les ghouls qui explosent, ok. La tornade, je la sens moyen là. En fait, ça allait. C'était pas si impressionnant que ça. Ok. Bon bah c'est bien, je suis content, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Hein. Je meurs souvent avant d'habitude. Hein. Réfléchis. On va gouler. J'ai l'impression qu'elles ont un dash, ouais, effectivement. C'est la première fois que je joue avec les ghouls, hein, donc je les découvre en même temps que vous là. Il y a tellement de possibilités de build dans ce jeu, c'est vraiment le point fort hein, du jeu. J'ai jamais joué la même chose, hein. Pas une seule fois. Hein. Et j'ai fait quand même pas mal de parties. Hein. Ouais, ça me met moyen là, ce truc là, je sais pas ce que c'est, mais dans le doute. Bouclier. Ghoul. Explosion des ghouls. Et voilà. Wow. Wow. S'il vous plaît. Ah là là, ça, là je suis pas content là. Là c'est potentiellement très dangereux. Les ghouls. Et je ne peux pas bouger parce que je dors. On peut faire un contrôle 2, ça n'enlève pas le sommeil. Aïe 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 aïe. Bouclier. Le contrôle 1 de régène est revenu. On laisse place aux ghouls. 5 et 9 s'il vous plaît. Je crois que je flippe pour rien, ils sont morts. Là c'était potentiellement la mort hein, qui m'attendait. C'est pas passé loin. Hein. Et là-bas, c'est pour les chiens. Il y avait rien. Donc, alors là, il y a une histoire après là-bas de, il y a un code à faire ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a un code à apprendre.
Pourquoi j'ai pas pu faire mes ghouls? Wow, 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 wow. Si, c'est bon, je les ai faites. J'aime pas bien ça, là. Mince. Ouais, je voulais juste passer des tours, mais il m'a ramené là. Donc c'était pas le deuxième. C'est le deuxième ou le troisième que j'avais fait, je sais plus. Allez, on va commencer par celui-là. C'était pas ça non plus. Faut que j'arrête de faire ça. Le cinquième, c'était pas ça non plus. C'est bon, c'est que des gens à moi. Allez, on y va pour le... Non, mais c'est jamais le premier. C'est jamais le premier. Oui, ok. Donc, on note dans un coin le 6 en premier. Ensuite, on va dire le 3. C'est pas ça. Ouais, en plus, là, il y a du chaud hein, qu'à spawner, là. Tout ce qui se passe non plus hein. Ok. Et il m'a pas fait apparaître n'importe quoi là. Waouh. C'est bon. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Contrôle 1. Contrôle 3, j'ai peur. Oh, il se passe quelque chose là. C'est lui là. Mais il disparaît quand il veut là. Il a l'air d'être un peu chaud hein. Et pas moyen de savoir où il est hein. C'est bon? Ouais, non, non, il y a quelque chose là. Là, j'ai vu un zéro là. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, il est revenu. Bouge pas. Il est mort. Ok. Je vais quand même voir là-bas, j'ai cru voir quelque chose. Non, c'est bon. Ok, donc le 6. Ça marche. Le 4. Ça marche pas. Alors là, j'ai pas pu cast mes ghouls. Oh! Alors là, par contre, j'ai pas pu faire mes ghouls. Oh putain. Contrôle 4, on va faire un saut. Putain, je suis mort. Ah mais non, c'est vrai, j'avais eu mon truc qui me permettait d'avoir une vie. Alors attention, oulala, non, calmez-vous. C'est pas ce que vous croyez. C'est un objet qu'on trouve dans le jeu qui donne une vie. Nuance. C'est pas un mode du style t'as le droit à une vie. Ah bah non. Ah là, je suis pas d'accord, c'est pas du cheat. Et là par contre j'ai pu... En fait c'est une fiole, c'est un objet unique en fait, tu le trouves. Tu bois, ça donne une vie, mais faut la trouver quoi. Ouais ouais je sais, mais quelque part je me sens pas bien tu vois. Mais bon,
J'estime que là je suis legit. On est dans les règles. Pourquoi j'ai ça là? Take a bite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné une compétence en me relevant de la mort, visiblement. Ah ouais, faut que je sélectionne une cible, je pense. Voilà. C'était ça que j'ai pas su faire. J'ai une tête bizarre aussi, hein. Je pense qu'il s'est passé un truc à ma mort, là, mais je suis revenu en mode pas normal, tu vois. Merde, mon contrôle 3 est pas prêt encore. Le contrôle 2, oui, par contre, on va éviter de s'enflammer. Hop. Le 7, allons-y. Je suis en low health. Ouais, j'insiste, je suis bien en mode roguelike. Hein. C'est, ce n'est pas du cheat. Hein. Bon, là je suis moyennement content de ce qui se passe, moi. Là. Allez, on a encore des choses là-haut, mais c'est pas vrai, ça lui a rien fait du tout. Ça lui fait pas grand-chose, hein. Je devrais peut-être pas insister, hein. J'avais fait quoi? J'avais fait le 4, j'avais fait le 3, enfin le 2. C'était ça, donc 6-2. 6-2, 6-2, putain, il y a un autre ennemi, hein. Je sais pas où il est, mais il y est, hein. Mec, il attaque à la main quoi. 6, 2, 5. Et non, c'est pas ça. Ça va devenir de plus en plus facile à mesure que je fais des leviers. C'est très très chaud là. C'est très très chaud. Attends, en plus, j'avais perdu tous mes boosts là. Ça me prend un tour de. Ah non, c'est instantané. Ça aussi, c'est instantané. Ah non, il s'est passé des choses là. Ok, ok. Aïe, 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 aïe. Ah putain, cette fois, je suis vraiment mort. Je suis vraiment mort et je sais pas ce que j'aurais pu faire pour me dégager de là. Si je réfléchis deux minutes, ce que j'aurais dû faire avant. Peut-être ce bite là, mais bon. Ah non! Attends, attends, attends. Attends, non, j'ai effectivement... C'est ça la potion. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'était pas le collier? Ah ouais, je suis encore en mode roguelike, y a pas de souci. Écoutez, hein. Par contre, est-ce que c'est ce collier? Parce que tout à l'heure, sur le collier, il est marqué « Try to not die ». Et là, il marque maintenant « You have died, but that not bother the collar at all ». D'accord. Et j'ai changé de tête. Donc, je pense que le collier m'a sauvé la vie la première fois. D'accord, mais visiblement avec un sacrifice ou un avantage, je sais pas trop. Je suis devenu une espèce de bestiole un peu Cthulhu, quelque chose comme ça. Et bien avant, j'avais ramassé la fiole de vie qui me permet de récupérer justement une vie. Voilà. Mais... Et bah, je suis toujours là. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est toujours legit, hein. Par contre, je me sens un peu sale. Je pense que je vais aller prendre une douche après. mais c'est toujours legit. Voilà. C'est des objets trouvés en jeu qui m'ont permis de faire ça. Tandis que j'étais dans le mode permades. Voilà. Après, on peut reprocher ça à Magéal aussi, hein. C'est-à-dire que, effectivement, le jeu donne des moyens de survie, comme ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je suis pas trop fan.
Mais bon, le jeu est balancé comme ça aussi, on va dire. Et effectivement, à côté de ça, il y a un mode aventure où là, on peut respawn sous certaines conditions, autant de fois qu'on le veut et tout ça. Où je crois qu'on gagne des vies en scorant ou je sais pas trop quoi. Là, c'est évidemment pas ce qui se passe. Hein. Et d'ailleurs, la prochaine fois que je meurs, c'est la bonne. Hein. Bien sûr. Donc là, dites-vous que c'est des potions et des outils que j'ai ramassés qui m'ont permis de faire ça. C'est donc l'utilisation des objets et des compétences. Et donc, une réaction face à l'environnement. Et non pas une aide divine qui est venue à ma rescousse. Voilà, je me suis soulagé mon âme. Toi, ça te dérange pas? Et oui, mais c'est parce que tu es un joueur de softcore, c'est pour ça. Je troll aussi. Hein. Bon, ça va pas me sauver la vie forcément tout ça. Hein. On va faire des ghouls, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je suis spell shock, ok. Bah c'est bien. Il me reste plus masse de choix là. Passer mon tour, je ne suis plus spell shock, ça devrait. Bah non, je peux pas. Parce que je suis dans la glace aussi. Voilà, ça y est, ça commence. Hein. Ah mais je vais recrever là. Parce que c'est bien beau aussi hein de. Là tu vois même si je fais mon contrôle 1 pour me régénérer la lèvre, je vais sûrement mourir avant. Et mon bouclier il est pas dispo pour l'instant. Mais j'ai mon 6. C'était pas trop mal. Est-ce que je peux faire mon saut arrière? Oui. Est-ce que je peux faire mes ghouls? Oui. Non. Ok, je crois que j'étais sous-levelé. Bah en fait, si, en fait, ce bâton-là, c'est un peu le truc qui te ramène à la maison, quoi. C'est le portail qui te ramène sur la carte du monde. Mais je crois que ça prend une trentaine de tours pour te TP à l'extérieur. Et je serais donc mort bien avant. Et ça m'aurait pris un tour de le lancer. Voilà. Donc cette fois, je suis mort. Hein. Là, il n'y a plus rien à faire. Et quelque part, ce n'est que justice pour ces ennemis qui ont bravement combattu. Voilà. Bah écoutez, bonne soirée à tous, c'était très cool. Et à la prochaine. Bye bye.